Dans cette vidéo, découvre un outil pour t'aider à transformer ton savoir, ton expertise en une méthode puissante et une structure de formation, une structure d'offre puissante. Bonjour, je m'appelle David Valsimachinan, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va donc voir un outil qui va te permettre de créer grâce notamment à l'intelligence artificielle, et eh bien de pouvoir créer tes cours, une formation, un atelier, un accompagnement à l'aide de l'intelligence artificielle. Je suis tombé sur cet outil qui s'appelle CourseZai, CourseZ, comme tu préfères, et l'idée c'est de pouvoir te montrer comment ça fonctionne. Alors, je te conseille, avant d'utiliser un outil d'intelligence artificielle, de prendre le temps de te poser pour mettre à plat ta méthodologie puissante. Et pour cela, il te suffit d'utiliser le framework méthode puissante de l'académie businessbonheur.com. Cet outil, il est disponible gratuitement. Tu peux regarder dans le lien qui se trouve dans la description. Il y a une vidéo explicative qui va t'aider à remplir ce framework et tu peux évidemment télécharger le framework et je te conseille de l'imprimer ou d'utiliser une tablette pour pouvoir dessiner dessus. C'est beaucoup plus intuitif à remplir. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'aider à transposer ton savoir, ton expertise, ta passion, quelque chose que tu connais, en une offre que tu vas pouvoir vendre de manière efficace afin de monétiser ton savoir et de pouvoir aider le monde, bien sûr, aider ton public de cœur. Une fois que tu as créé ta méthode puissante, à l'aide notamment du framework que tu peux te procurer dans la description, eh bien, je t'invite à aller sur courseZ.online. Donc, je te mettrai évidemment également ce lien dans la description et on va regarder ensemble comment est-ce que cet outil fonctionne. Je viens de créer mon compte et je vais donc me rendre sur le dashboard afin de pouvoir créer mon premier cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du cours que tu vas créer, notamment grâce à cet outil, eh bien, tu vas pouvoir le vendre, que ce soit par des outils comme Gumroad ou simplement un lien paiement Stripe ou encore, pourquoi pas, sur Udemy. On va voir ensemble comment ça fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est venir décrire le sujet du cours que l'on va aborder. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple. Je souhaite accompagnement pour entrepreneurs du bonheur. Personne, je vais même être plus précis, coach, thérapeute, consultant, personne ayant un savoir, expertise, et qui souhaite générer des revenus. Donc ça, c'est vraiment le topic. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt ici, du coup, infopreneuriat, comme ça, c'est un seul topic, et on verra ce que ça donne. Ou peut-être même business en ligne, sera encore mieux. Donc, évidemment, il faut sélectionner, alors on va travailler là-dessus. Au niveau de la difficulté, je vais décider que l'on s'adresse à des purs débutants. Je vais demander 3 chapitres parce que j'aime fonctionner en modèle 3-3-3. Donc 3-3-3, c'est quoi? C'est 3 étapes et chaque étape a 3 points d'action, ce qui fait 9 points d'action. Si on reprend ici le framework, tu vas voir qu'il y a 3 étapes. Chaque étape a un résultat intermédiaire qui se retrouve à l'intersection des cercles. Et puis, on divise chaque étape en 3 points d'action, ce qui va permettre à ton client, à la personne que tu accompagnes, d'avoir une méthodologie complète qui l'aide à passer d'une situation problématique qui se trouve en bas à gauche à une situation idéale qui se trouve en haut à droite. Et donc l'idée, c'est de lui amener une réelle transformation. Encore une fois, tu peux te procurer et compléter ce framework gratuitement dans le lien qui se trouve dans la description. On voit ce qu'il a créé. Alors, définir sa niche, créer sa présence en ligne, développer son business et gérer ses clients. Ok, pas mal. Non, je vais demander 5. Allez, soyons fous. Je diviserai après. Ok, super. Donc, il m'a créé une proposition de contenu, construire une entreprise en ligne, réussir pour les coachs, réussi pour les coachs, thérapeutes et experts, ce cours complet, est conçu pour vous accompagner. Ok, super. Alors, je vérifie qu'il y ait une certaine cohérence.
Ok, on va voir ce que ça donne. Je ferai un deuxième test après avec la même thématique. Donc j'ai pris le temps de générer les trois cours que je te montre ici, donc que j'ai testé avec 3, 4 et 5 chapitres. Le problème, c'est que si tu laisses l'intelligence artificielle guider la réflexion, eh bien tu vas te retrouver avec des choses un peu basiques. Si tu regardes, la majorité des formations qui parlent d'entrepreneuriat, ben, vont te proposer de définir ta niche, ton audience, ton client idéal, etc., etc. À créer ton site internet, etc., etc. Alors c'est très bien, c'est déjà une première base. Si tu n'as aucune inspiration, tu peux toi aussi proposer et simplement lui demander de créer une formation sur une thématique bien précise et tu peux t'inspirer de ce qu'il va ressortir. Cependant, moi j'ai envie d'aller un step plus loin. Je vais te montrer l'autre cours ici, 3 chapitres. Je démarre, au niveau débutant, on voit qu'on est déjà dans une dans quelque chose d'un peu plus classique avec créer sa présence en ligne, définir sa niche et développer son business. C'est très, 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 très basique. Je vais aller un step plus loin, encore une fois, en reprenant le framework. Pourquoi je te conseille et je te casse les pieds à créer ton propre framework, ta propre méthodologie puissante? C'est qu'à partir du moment où tu as ta méthode puissante, tu vas être reconnaissable et différencié. C'est-à-dire que les gens, ils vont venir pour ta méthode. Ils vont venir pour, par exemple, la méthode Business Bonheur, ou la méthode Publier pour impacter, ou la méthode Jouer pour impacter, qui sont mes 3 activités. Et donc, ce que je te propose, c'est exactement de faire la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil pour générer le cours, pardon, sur base de la méthode en 3 phases et en 9 points d'action de l'académie businessbonheur.com. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux regarder dans la description, tu peux découvrir l'incubateur Business Bonheur. Prends un rendez-vous avec moi, on en discute, et si ça fait sens pour toi, on va plus loin avec grand plaisir. Donc tu peux voir ici, il y a 3 axes au niveau de l'incubateur, c'est la méthodologie Business Bonheur. On va travailler premièrement l'épanouissement avec l'alignement et le sens, on va travailler la génération de revenus avec la partie et l'axe qui est consacré à la conversion. Et on va ensuite travailler ta liberté avec la partie focus et puissance. Et donc, tout cela se retrouve dans la méthodologie Business Bonheur. Et donc, je vais utiliser l'outil que je te présente aujourd'hui, Courses-y, et je vais indiquer qu'il doit absolument se baser sur ces 3 axes et je vais tenter de lui imposer les 3 points d'action que tu retrouves ici de chaque étape. Alors encore une fois, si tu ne prends pas le temps de poser ta propre méthode puissante, tu as beau utiliser l'intelligence artificielle et n'importe quel outil d'intelligence artificielle, tu vas te retrouver avec une formation, une méthodologie fade que tout le monde peut, enfin que les gens peuvent trouver n'importe où. Ça va être très très basique ici. Tu as d'abord réfléchi à ta méthodologie et puis tu demandes à l'outil intelligence artificielle de te générer à partir de ta propre méthode unique une formation, un cours complet. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de tester justement la page de vente. Donc je vais en fait lui indiquer tout ce que je sais, tout ce que j'ai comme information et que je souhaite qu'il soit intégré dans le cours. Et donc je vais simplement copier ici tout le contenu qui présente la méthodologie complète de l'incubateur Business Bonheur, afin d'avoir un cours le plus représentatif possible. Voilà, donc j'ai demandé à cet outil de générer à partir de la méthode Business Bonheur et des 3 axes complémentaires. Je lui ai demandé de générer un cours pour débutants en 3 chapitres, un cours pour intermédiaires en 5 chapitres et un cours pour personne avancée en 4 chapitres. On va voir ce que ça donne. Alors, dans le premier cours, c'est toujours le même prompt que j'ai utilisé, donc qui décrit la méthodologie. On voit qu'il a repris les fondations, l'éveil et attraction, qui en fait s'avère être la méthodologie et le framework de l'incubateur Business Bonheur. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, dis-le-moi dans les commentaires. Je n'ai pas modifié, mais
Ça prouve bien que l'outil a ses limites. Ici, on va rentrer dans les détails. Alors, on voit ici qu'il parle de business model émotionnel qui fait pleinement partie de l'accompagnement. On crée un business au service de sa vie et pas l'inverse. Ça, c'est très intéressant. Je n'y avais pas pensé d'aborder la notion des piliers du bonheur. Ça pourrait faire office, par exemple, d'un atelier bonus ou d'un cours bonus, module que je rajouterais dans les modules existants de l'incubateur. C'est très, très intéressant. Voilà, ça donne des idées à partir de ma propre méthode. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas encore pensé. Définir ses valeurs fondamentales, etc., etc. Tu vois ici que c'est déjà beaucoup plus précis que le cours qui a été généré précédemment sans avoir ajouté ma propre méthodologie. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus basique que tout le monde peut retrouver. On peut retrouver vraiment tous ces points sur n'importe quel site qui parle de business en ligne, alors qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de très personnel. Et encore une fois, tout ça, ça se fait notamment grâce au framework qui se trouve sur cette page. Donc regarde dans la description, tu pourras remplir ton propre framework et envoie-moi celui-ci si tu le souhaites, je te donnerai mon feedback avec grand plaisir. Donc on voit ici qu'il y a un souci au niveau de l'atelier puissant. J'ai utilisé le mot-clé atelier, mais en fait c'est workshop. Et donc à mon avis, comme c'est un outil d'intelligence artificielle peut-être qui est anglophone à la base, il a été entraîné sur l'anglais, ben lui, atelier, il traduit ça par un atelier comme un atelier de bricolage, un atelier de bricoleur par exemple. Et donc tu vois, on voit ici que certes, il parle de la vision, de l'intention, ça c'est intéressant, je pourrais le rajouter, mais après, il parle plutôt de lieu, donc comment créer son atelier. Et donc, quand il parle d'atelier, il parle vraiment d'un lieu dans lequel on viendrait mettre des belles lumières, une belle ambiance, etc., etc. Là, c'est évidemment à revoir, c'est pas utilisable comme ça, tel quel, mais ça me donne quand même des idées très, très intéressantes, notamment au niveau ici, tu vois, de la partie un espace de transformation et l'intention et la vision. Au niveau de l'attraction, eh bien, on voit ici que on est sur la notion de produit premium, un produit qui doit attirer tes clients de cœur et faire fuir tous les autres. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Alors évidemment, attirer son client idéal, donc quelques questions puissantes, je pourrais aussi faire un module spécifique là-dessus, la proposition de valeur unique, etc., etc. Je vais te montrer rapidement le cours intermédiaire et tu vas vite te rendre compte, même avec le cours avancé, que l'outil se répète quand même assez souvent. Cependant, c'est intéressant, tu as droit à 3 crédits gratuits quand tu t'inscris, tu peux générer 3 cours. Donc, si tu prépares bien à l'avance 3 prompts différents, trois idées, 3 propositions de structures différentes, vraiment, je te suggère clairement de réfléchir avant de faire générer le cours pour vraiment avoir quelque chose qui te ressemble et qui va faire la différence, eh bien, tu vas pouvoir obtenir des résultats intéressants. On voit ici qu'il a vraiment repris la notion de fondation et les 3 phases, éveil, attraction, transformation. Moi, j'ai rajouté ici le pouvoir du réseau, parce que c'est important de se créer un réseau puissant, des relations puissantes dans le business. Et moi, il m'avait proposé complètement autre chose. Il m'avait proposé, je ne sais plus, mais il m'avait proposé autre chose, donc je ne trouvais pas ça top. Donc j'ai rajouté ici le bonus, un module bonus qui pourrait être généré. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne et tu vas voir que ça se répète quand même assez fort. Donc je ne vais pas tout te remontrer. On voit la notion de business model émotionnel, les piliers du bonheur qu'on a déjà vu précédemment. Donc je vais simplement te montrer ici au niveau du pouvoir du réseau. On voit que ça me donne encore plein d'idées. Ça peut être intéressant de faire un atelier bonus. Par exemple, dans l'incubateur, il y a un atelier qui s'intitule Comment définir son prix juste. C'est un atelier qui a été demandé par les membres. Et eh bien, du coup, ici, tu vois, tu peux vraiment. Ça me donne plein d'idées auxquelles je n'aurais pas forcément pensé et qui pourraient apporter énormément de valeur à la communauté. Donc, tu vois, il y a vraiment de quoi faire avec cet outil, même si en soi, tu ne peux pas utiliser ce qu'il sort tel quel. En tout cas, moi, je te déconseille de le faire, parce que sinon, tu vas avoir des choses génériques. Mais au moins, ça te donne des idées intéressantes, même au niveau des quiz, par exemple, à traduire, évidemment. Mais l'idée, c'est, tu vois, de pouvoir potentiellement proposer un quiz à tes clients, voire même, pourquoi pas, à tes prospects. Et là, je te mets le lien vers une autre vidéo et dans la barre d'infos.
Tu vas voir, il y a une vidéo dans laquelle je te propose de générer ton propre formulaire et ton lead magnet interactif, ton aimant à client interactif. Regarde, encore une fois, si ça t'intéresse, tu peux appliquer ça dans ton propre business. On passe au dernier cours, incubateur, niveau avancé, en quatre chapitres. Qu'est-ce qu'il a proposé? Eh bien, il propose les fondations, l'éveil, attraction, transformation. Si on reprend le framework, on a phase 0, fondation, phase 1, attraction, phase 2, éveil, phase 3, transformation. Chaque étape a un bénéfice principal. Et tu vois, l'idée, c'est de vraiment pouvoir monter avec, au niveau de la première étape, la première phase, la phase 0, fondation, créer sa méthodologie puissante, encore une fois, à l'aide de ce framework. Et tout ça, ce framework qui est offert, profites-en. Mon ambition, c'est de créer de la valeur et de t'aider à toi aussi créer cette valeur. Donc, fonce, c'est offert. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ce que je peux déjà te dire, c'est que tu mettes débutant, que tu mettes intermédiaire ou avancé, le contenu a plus ou moins la même valeur. Donc, je pense que là, c'est personnellement, en tout cas, je ne vois pas de grosse différence par rapport à. Par rapport à tout ça, mais on voit ici voilà, que c'est quasi la même chose. Alors peut-être qu'il rajoute des concepts un peu plus compliqués pour la partie avancée, mais moi personnellement, je ne vois pas de différence. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet outil? Bah, c'est un outil en fait qui est très intéressant. Encore une fois, on a droit à générer 3 cours gratuits par email, donc en gros par compte qu'on crée. Encore une fois, moi ici j'ai généré 6 cours, ben, j'ai simplement utilisé 2 adresses email. Évidemment, on peut passer en mode payant. Je crois que c'est 15 $ pour générer une dizaine de cours, donc c'est plus ou moins 1 € par dollar. Évidemment, on peut faire tout ça aussi avec d'autres outils d'intelligence artificielle. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il va aller chercher des vidéos extérieures et ça permet, voilà, en tout cas, d'avoir des idées intéressantes. La notion de quiz aussi est intéressante. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur d'autres outils, mais je trouvais celui-là assez intéressant à te présenter. Si tu souhaites en savoir plus sur l'incubateur, sois rassuré. L'incubateur, c'est vraiment un cours que j'ai créé de A à Z. Donc, je n'ai pas utilisé d'outils d'intelligence artificielle. J'ai lancé ça il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc, c'est vraiment sur base de ma propre expertise. Évidemment, aujourd'hui, j'utilise les outils d'intelligence artificielle pour trouver des nouvelles idées. Mais de base, je te suggère vraiment de venir découvrir l'incubateur. Ce qu'on fait dans l'incubateur, c'est qu'on crée un écosystème qui va te permettre de pouvoir transformer ton savoir, ton expertise en une méthodologie puissante et ainsi créer ton propre business bonheur en générant des revenus, en travaillant avec des gens avec qui tu kiffes travailler et en utilisant ce que tu sais faire, les connaissances que tu as acquises au fil du temps, que ce soit par ton expertise ou par une passion potentielle que tu as. Je prends souvent l'exemple d'un colombophile qui pourrait accompagner d'autres personnes à faire des concours de pigeons, pourquoi pas. Donc l'idée ici, c'est rapidement de te présenter les 3 phases. Tu as pu les découvrir, une phase secrète. Et, hein, en fait, il s'agit d'un mastermind. Mais... L'idée, c'est de pouvoir t'aider à monter de niveau en niveau. Et tu vois que chaque phase de l'incubateur à des objectifs bien précis. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, écris-moi dans les commentaires ou rends-toi sur businessbonheur.com pour prendre rendez-vous avec moi. Entre tes mains, je t'invite vraiment à regarder et appliquer le framework. C'est offert. Mon ambition, c'est vraiment que tu puisses transposer ce que tu as dans ton esprit en méthodologie puissante. Tu vas pouvoir avoir directement, sans t'inscrire, accès à l'atelier de 15 minutes qui t'aide à remplir et à compléter justement ce framework. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux télécharger le framework et directement y accéder. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger le framework, y accéder et tu recevras des nouvelles de ma part par email. Le monde a besoin de ton savoir, ton expertise. Il y a des personnes sur Terre qui, grâce à ton expérience, à ce que tu sais, qui ont besoin de savoir ce que tu sais, tu vas pouvoir les aider à avancer dans leur vie, tu vas pouvoir les aider à transformer leur vie. C'est vraiment l'ambition de cette vidéo, c'est de t'aider à faire que ce que tu sais, ce que tu as acquis comme compétence, comme expérience, comme passion, eh bien, tu puisses le transmettre.
que d'autres puissent évoluer dans leur propre vie. Donc encore une fois, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sens-toi libre de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Je te souhaite plein de succès. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat. À très vite. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.